abusez tous les motards sérieux là. Ne dites pas que vous roulez seulement quand il fait chaud. 47, 18, 38. Appelle-moi vite. 150 en ville, espèce d'idiot. T'as tout essence. Youpi. On veut vivre et non pas survivre. Tout est dit. Elle est un peu éraflée, mais elle est jolie. Suzuki toute neuve et bien brillante. Ah, vous y connaissez, madame. Bonne journée. Au revoir. Hélas, non, elle n'est pas toute neuve, ma Suzuki. Allez, je t'emmène, mémé. Ça, ça me fait penser à quelqu'un, cette marque de voiture. Je sais pas, un mec qui a une CLK, je crois. CLK, je sais pas quoi, là. Il se reconnaîtra. Putain, les dodanes ici. Oh, mon chien. Chaque fois, ça me casse. Le derrière. C'est ça que j'aime bien dans la communauté motarde. C'est que là, tu croises un motard à une terrasse de café, qui est tranquille, qui fait une petite pause, qui boit son canon, et puis bah, tu le croises un petit coup de tête. J'adore. On se connaît ni en blanc ni en noir, mais on se salue. Et ça, c'est top. J'ai toujours une voiture devant moi sur cette route. C'est vraiment dommage. À chaque fois. Hein. Donc, du coup, je patiente. Nous sommes à 60 km/h. La vitesse de croisière de notre bateau est atteinte. Ah ! Mais merde ! Pourquoi vous roulez à 50 ? 90 ici. Putain. Ça, c'est fait. Oh, la belle ligne blanche, je sais, c'est pas bien. Je suis pas parfaite. Mais j'ai pas envie d'attendre derrière. Alors ce sont de faux enfants, hein. Ne vous y fiez pas. Bon, bien sûr, c'est là pour justement faire ralentir les gens, mais ce sont de faux enfants. Parce qu'ici, c'est 50. Je suis déjà bien au-dessus de la vitesse autorisée. Oh, joli. Oh, sympa. Salut, Hubert. Salut. J'en profite pour passer par là pour vous montrer ce que c'est. Ce que vous voyez là, c'est la vogue des noix. Et c'est le premier jour aujourd'hui. Il passe, le monsieur. Allez, allez-y. C'est mon jour de bonté aujourd'hui. Donc vous voyez, tous les gens sont garés n'importe comment, mais c'est normal. Donc ça s'appelle la vogue des noix. Ça dure à peu près 15 jours, je crois. C'est l'une des plus grosses fêtes foraines de France, il me semble. Oh la vache! Ça sent le chourreau, c'est le chichi, le sucre. Et ça, c'est trop bon. Regardez ça, c'est génial. Voilà, on a fait le tour de la vogue. Alors, de ce que j'ai pu vous montrer, hein, parce que bien sûr, tous les accès sont fermés aux véhicules. Donc, voilà ce que je peux vous montrer de la vogue des noix de Firminy. Cru 2018. Donc, vous l'aurez compris, c'est un petit peu l'attraction de la ville avant la saison hivernale. C'est parti pour les bouchons du matin. Prudence, rigueur. Oula, merci mec. Déjà, je trouve que je vais trop vite. Je suis à 50. Ils sont presque à l'arrêt. Il fait super bon. Je me sens un peu seule, par contre. Mais vous êtes où, les motards, sérieux, là? Ne dites pas que vous roulez seulement quand il fait chaud. Alors, ne vous fiez pas au temps et aux gants d'été. Car nous sommes en novembre et il fait très très bon. Tant mieux. Ouh, il y a eu de la casse par ici. Ah oui, effectivement, la neige a fait des dégâts.
complètement par terre le tronc. Coupé en deux, net. Fin octobre, on a eu... c'est tout dépend de la région. Par chez moi, c'était plus de 50 cm de neige en quelques heures. Le poids de la neige a fait que plein de branches sont tombées. Ah, c'est pas les arbres en plein milieu de la route. Encore les dégâts de la neige. Tout ça, c'est à cause de la neige. Ils ont raison dans la seule voie. Il y a eu des dégâts ici, dis donc. Oh, la vache. Punaise, il y a un tronc d'arbre qui s'est carrément arraché. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé la télé au moment où il y avait les intempéries. Il y a un gars de BFM TV qui était sur la RN88 et c'est un coin que je connais bien pour prendre la RN88 très souvent. Et je vais vous montrer là où c'était, là où les gens étaient bloqués. Vous allez comprendre pourquoi ils étaient bloqués, pourquoi ils ne pouvaient pas monter. Parce que c'est vrai qu'à la télé, c'est pas toujours très parlant. Là d'où je vais filmer moi, vous vous rendrez compte à quel point c'était ouais, effectivement la galère. Ouais. Voilà, donc c'est ici. Toute la RN88, donc là elle descend. Là, elle monte, toute la RN88 était bloquée. C'était pas déneigé parce que les chasse-neige ne pouvaient pas passer parce qu'il y avait des camions bloqués partout. Et puis, bah, il y a des gens par les réseaux sociaux qui ont dit bah, venez chez moi, machin, et tout. Ça, c'est super. Les gens font preuve de solidarité dans ces moments-là. C'est vraiment génial. Il y a aussi plein de villes, bien sûr, comme Monistrol-sur-Loire, Saint-Ferréol-de-Roure, je sais plus le nom des autres villes qui ont accueilli des gens dans leur gymnase pour dormir la nuit. Et heureusement, parce que je sais pas comment ces gens auraient fait. Alors bien sûr, hélas, il y en a d'autres qui sont restés bloqués une grande partie de la nuit. Ça a pas dû être facile. Honnêtement, à ce moment-là, j'ai vraiment une grosse pensée pour ces gens-là. Parce qu'il est quand même tombé 50 cm de neige. Et que il y a aussi des troncs d'arbres qui sont tombés sur la route à cause du poids de la neige. Et vous vous foutez de moi, là, chambre, hein. Wow. T'es un couillon, toi. Je vais pas assez vite pour toi. C'est 50 en ville, espèce d'idiot. Vincent Moscato. Il a trop la même tête. Ah non. Il a pas vraiment la même tête en fait. Appelez Vanina au 07 58 47 18 38. Appelle-moi vite. La vache, il y a de ces trous. Je crois que je me suis juste un petit peu perdue. Et en plus, j'ai plus de licence. Le pire, c'est que je voulais faire le plein avant de partir et j'y ai pas pensé, donc c'est de ma faute. Donc j'espère que je vais arriver à temps à la pompe à essence. Je fais du off-road là, carrément, vu l'état de la route. Oui, station essence. Youpi. 1,60 le litre, punaise. Super, il pleut. On a eu un mois de novembre assez doux. Et maintenant, ça y est, j'ai ressorti les gants d'hiver. Il commence à bien cailler. On approche bientôt de l'hiver. C'est nul. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont mis leur gilet jaune sur le pare-brise de leur voiture? Ça se répand de plus en plus depuis qu'on a eu ces opérations. Gilet jaune, manifestation, opération escargot. Rond-point monopolisé par des camps de fortune. Radar complètement HS, encore un autre. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est tout ce qui s'est passé à côté de négatif. Tous les rassemblements de casseurs, les pillages, ça c'est vraiment horrible. Ah mais là aussi, ils ont monopolisé le rond-point.
Non, ils ont pas fait semblant. Oh putain. Même un motard, tu vois. Ils se sont fait leur petite toile de tente, leur petite maison de fortune, des croix. Routier café. Et il n'est pas routier, non, droit. On veut vivre et non pas survivre. Ouais, tout est dit. Bon, vous savez tout ce que c'est que l'article 13, je ne vais pas revenir là-dessus. Eh bien, en anticipation de cet article 13, j'ai décidé de faire moi-même mes propres musiques. Pas avec un logiciel, hein. Je vais chanter. Alors, je chante très mal. Mais au moins, je ne vais pas avoir de problème de droit d'auteur.